Eh bien bonjour à tous, c'est l'heure de Classe Classique, votre rendez-vous hebdomadaire de musique classique, tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur RVL. Eh bien cette semaine, chers auditeurs, je vous propose de commencer par de la musique légère, la musique de Albert Ketelbey, vous savez, ce compositeur britannique qui nous a régalé avec ses jardins d'un monastère, avec son marché persan, etc. Eh bien, comme nous sommes en vacances, je vous propose de commencer donc par une pièce de Ketelbey intitulée Bank Holiday. Ça ne veut pas dire tout à fait vacances, ça veut dire jour férié, mais c'est presque pareil. Et cette Bank Holiday de Ketelbey va nous être interprétée par le London Promenade Orchestra. C'était Bank Holiday, une petite pièce tout à fait charmante de Albert Ketelbey. Nous poursuivons avec quelque chose d'un petit peu plus copieux, c'est la Rhapsodie hongroise numéro 11 en la mineure de Franz Liszt, sous les doigts du jeune pianiste Alexandre Kantorov. Thank you.
Voilà, c'était la Rhapsodie hongroise numéro 11 de Franz Liszt en la mineure par Alexandre Kantorov. Nous allons rester dans un répertoire pianistique d'ailleurs, mais du piano accompagné d'orchestre, puisqu'il s'agit d'un concerto pour piano de Louis-Ferdinand Hérold, compositeur français des débuts de l'époque romantique, disons. Concerto pour piano numéro 4 de Louis-Ferdinand Hérold, avec le deuxième et dernier mouvement de ce concerto, qui est curieusement constitué que de deux mouvements uniquement. Le deuxième mouvement, donc Rondo Moderato de ce quatrième concerto de Hérold, par Jean-Frédéric Neuburger au piano, accompagné par l'orchestre Sinfonia Varsovia que dirige Hervé Niquet. Thank you.
Vous êtes toujours sur RVL 103.1, ne changez surtout pas de fréquence. Nous continuons après ce concerto pour piano de Louis-Ferdinand Hérold. Nous allons retrouver un compositeur peut-être un petit peu plus connu, un petit peu plus récent aussi, c'est Gabriel Fauré, avec son Andante pour violon et piano que nous interprète Arnaud Torrette au violon et Johan Fargeau au piano. Thank you.
Voilà, c'était le très délicat Andante pour violon et piano de Gabriel Fauré. Retrouvons un petit peu de Beethoven. Il y a longtemps que j'ai pas diffusé de Beethoven. Eh bien, voici le 7e mouvement, Allegro vivace et désinvolto, de sa sérénade pour flûte et piano opus 41 en ré majeur. Elle nous est interprétée par Emmanuel Pahu à la flûte, accompagné de Éric Lesage au piano. D'entendre un extrait de la sérénade pour flûte et piano opus 41 en ré majeur de Ludwig van Beethoven. C'était le 7e mouvement Allegro vivace et désinvolto de cette sérénade interprétée donc par Emmanuel Pahu à la flûte et Éric Lesage au piano. Nous continuons maintenant avec un concerto pour flûte et hautbois. C'est une distribution assez rare. Concerto pour flûte et hautbois et orchestre, évidemment, en ut majeur de Antonio Salieri. Vous savez, ce fameux compositeur dont on dit qu'il était plus ou moins le rival de Mozart. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à l'accuser d'avoir cherché la mort de Mozart, l'avoir empoisonné. Voici le deuxième mouvement, l'argot de ce concerto pour flûte et hautbois de Salieri, par Janos Balint à la flûte et Lajos Lenkses au hautbois, l'orchestre à cordes de Budapest dirigé par Béla Bonfalvi.
Vous venez d'entendre le largo d'un concerto pour flûte et hautbois en ut majeur de Antonio Salieri. Nous allons continuer avec un compositeur à peu près contemporain de Salieri, un petit peu postérieur peut-être, c'est Johann Nepomuk Hummel, qui est plus proche de Beethoven d'ailleurs que de Salieri sur le plan chronologique. Voici un air à la tyrolienne avec variation, c'est donc de la musique vocale, et c'est Cecilia Bartoli, qui nous l'interprète, accompagnée par l'orchestre La Scintilla que dirige Adam Fischer. Diridori, 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 di
C'était un air à la tyrolienne avec variation de Johann Nepomuk Hummel par Cecilia Bartoli et Adam Fischer à la tête de l'orchestre La Scintilla. Alors nous continuons avec une pièce que j'aime beaucoup depuis fort longtemps, c'est la petite suite de Claude Debussy. Petite suite qui a été composée à l'origine pour piano, mais qui a été transcrite par Henri Busser, un chef d'orchestre français bien connu. Et voici donc la première partie de cette petite suite de Claude Debussy en bateau, dans cette transcription pour orchestre par Henri Busser, par l'Orchestre symphonique du Québec, que dirige Yoav Talmi. Thank you.
Nous venons d'entendre sur RVL En bateau, la première partie de la petite suite de Claude Debussy dans sa version orchestrale que l'on doit à la plume tout à fait talentueuse de Henri Busser. Et nous allons continuer avec Mozart à présent, avec une pièce qui est un tube du répertoire classique, devrais-je dire. C'est le rondo de la sonate pour piano en La majeur Köchel 331, qu'on appelle la sonate Alla Turca, c'est la fameuse marche turque bien évidemment, dans l'interprétation de Andreas Steyer. C'était la marche turque, la célébrissime marche turque de Wolfgang Amadeus Mozart, tirée de sa sonate pour piano en la majeure, Köchel 331, sonate Alla Turca par Andreas Steyer. Et nous allons conclure cette émission, que je vous remercie évidemment d'avoir suivi, avec l'ouverture de La fiancée vendue. C'est un opéra de Bedřich Smetana, Smetana à qui on ne doit pas que la fameuse Moldao, mais il y a aussi quelques pièces tout à fait intéressantes, notamment cet opéra. Donc voici l'ouverture, qui est peut-être la partie la plus connue de l'œuvre, et c'est James Levine qui nous l'interprète à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Voilà, je vais vous laisser donc en compagnie de Smetana et de cette fiancée vendue. Je vais vous souhaiter évidemment une très agréable fin de week-end et une très bonne semaine. Pour ma part, je vous retrouve donc dimanche prochain, même heure, même fréquence, pour une nouvelle édition de Classe Classique, avec le classique, c'est la classe, bien évidemment. Alors bonne semaine à vous, et je vous laisse donc en compagnie de Bedřich Smetana.
Thank you.